Salut tout le monde, si vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire, comme d'habitude. Vidéo en collaboration avec Stationery Paul. Vous commencez à connaître cette marque, ça fait deux fois déjà que je fais un haul sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une marque de papeterie japonaise et tout sur internet, bref j'adore. Et ils m'ont envoyé une nouvelle box de 100$ pour du coup vous faire une nouvelle vidéo, vous faire découvrir des nouveaux produits qu'ils ont eu. Et plus particulièrement, leur nouvelle boîte qui se présente comme ceci, elle est pas trop mignonne. Elle est toute rose avec ici des petits détails en mode petit journal, petit planeur et tout, donc voilà, franchement ils se sont gavés pour le design de la boîte. T'as vraiment l'impression que c'est un petit carnet que t'as devant toi. Du coup voilà, j'ai plus rien à dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors la première chose que j'ai reçue, ce sont ces stylos, ce sont les stylos Tombow que je pense que vous connaissez, beaucoup d'américaines les utilisent pour la calligraphie. Alors du coup je vous ai fait des swatchs de chaque couleur que j'ai pris, ils ont énormément de couleurs sur leur site, ils ont beaucoup de choix. Donc ils sont super pour faire les cours, vous savez, les titres et tout ça de vos cours, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs couleurs, donc vous pouvez vous éclater à faire ce que vous voulez. Puis pour la calligraphie, ils sont juste géniaux, ils sont vraiment connus pour ça. Vous allez voir après, je vais essayer de vous faire une petite écriture. Bon, c'est pas ouf, je suis pas si forte que ça en calligraphie, donc je vous ai quand même montré comment les utiliser avec la pointe pinceau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris des couleurs un peu nude dans les tons marron parce que j'adore faire mes cours de ces couleurs là, ça change clairement des fluos qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai pris 4 couleurs un peu nude marron, puis j'ai pris une de couleur vert, un peu vert pomme et tout. Je suis pas fan, je trouve qu'il est vraiment trop clair, mais bref. Voici du coup ma petite démonstration de calligraphie, pas ouf je sais, mais bon voilà. Ensuite les gars, j'ai sélectionné ce petit kit, donc en fait il y a 4 stylos mais ils ont 2 embouts chacun, donc du coup vous avez en total 8 couleurs. J'ai déjà pris dans mon ancienne commande le kit marron et là j'ai voulu prendre le vert parce que pareil j'adore le vert. Par contre eux ils sont géniaux, j'ai rien à dire, les couleurs elles sont super belles, très pétantes, très sympas, très pigmentées. Et je trouve qu'ils sont quand même plus simples pour faire la calligraphie, donc moi j'ai beaucoup moins de mal à écrire avec eux que ceux des Tombow que j'ai fait juste au-dessus. La pointe est beaucoup plus pratique, donc si vous voulez commencer à faire la calligraphie, je vous conseille vraiment de prendre ce kit parce que du coup vous avez plusieurs couleurs. Ensuite j'ai pris un midliner avec une pointe brush, encore une fois c'est pour faire de la calligraphie, et eux par contre c'est vraiment les meilleurs parce que la pointe elle est beaucoup plus raide, ce qui fait que c'est, je trouve, plus facile pour écrire. Bon là pareil, j'ai essayé de vous faire une petite démonstration pas ouf, hein, il y a beaucoup mieux sur YouTube. Mais bon, je fais pas des sites comme ça tous les jours, j'essaie de m'entraîner, mais bon, bref. Si vous commencez dans la calligraphie, pareil, je vous conseille également les midliners. La pointe sera beaucoup plus facile à utiliser, puis vous avez une autre pointe beaucoup plus fine de l'autre côté qui s'épaissit lorsque vous l'écrivez de plus en plus, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai voulu tester ces stylos en pointe ronde comme ceci de la marque Koretake et les couleurs sont juste magnifiques. Mon préféré c'est le violet, donc celui que je vous montre juste à l'instant. Et ça change d'habitude les petites pointes rondes comme ça, mais comme vous pouvez voir ça fait des titres plutôt pas mal. Bon là j'écris mal encore une fois, on est en vacances, je n'ai plus l'habitude d'écrire, désolé. Et là je vous ai fait un petit swatch du coup de toutes les couleurs qu'il y avait dans le kit et franchement elles sont vraiment super jolies. Ensuite j'ai sélectionné sur leur site des surligneurs qu'ils ont à l'unité, donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, ils en ont plein pareil. Donc j'ai pris ces 4 couleurs, un vert pomme, un beige, un gris et un jaune un peu pastel de la marque Faber-Castell. Franchement ils sont super beaux, super sympas. Donc... Puis j'ai commandé un stylo couleur or et l'autre couleur cuivre avec ce stylo-ci qui est mon préféré pour écrire. Donc là c'est en taille 0,5, d'habitude j'écris en 0,7 mais c'est pas grave, j'ai les mines chez moi en 0,7 donc je pourrais les changer. T'as juste à dévisser le stylo et à mettre une autre mine. Moi je les trouve sur Amazon mais ils vendent aussi sur leur site d'autres mines. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'aime pas trop mon écriture avec cette mine là, je la trouve beaucoup trop fine. Et pour ce qui est des stylos or et argenté, ils sont géniaux, ça va être trop bien. Moi j'ai trop envie de les utiliser sur mes tableaux en peinture, rajouter des petites touches or et cuivre. Et comme vous pouvez voir, ils sont super pigmentés, genre la couleur elle est hyper intense, c'est un truc de dingue, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc la prochaine fois je pense que je vais prendre celui en couleur argent. Et il n'y a pas du tout de transfert, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite les gars, je me suis commandé 2 gommes comme ceci parce que les gommes que j'avais elles étaient en fin de vie. Donc j'ai pris une de la marque Tombow comme ceci, grise, hyper mims, et une de la marque Muji. Donc ils ont sur leur site plusieurs tailles de gommes aussi, donc il y a des plus petites, moi j'ai pris la plus grosse.
Puis j'ai commandé des grosses pinces comme ceci, donc j'en ai pris 3 en taille L et 3 en taille M. Et vous allez voir, c'est vraiment super bien. Donc c'est tout simple, c'est comme ça, je pense que vous connaissez. Et moi j'imprime énormément de choses au lycée, j'ai besoin de gros trombones, grosses pinces comme ceci pour tous les attacher parce que c'est vraiment une horreur, sinon je perds tout. Donc couleur dorée comme ceci là, c'est juste trop beau, très esthétique, on adore. Puis j'ai commandé pas mal de masking tape, washi tape, je sais pas comment vous appelez ça. Donc le premier que j'ai pris, c'est un avec des motifs citron. Il était genre trop mignon, donc je suis très contente. Ensuite j'en ai pris un plus dans les tons rose, pêche, beige, c'est pas trop, un peu quadrillé comme ceci, et un beige tout court. Ensuite j'ai pris ce petit kit de cette marque là où dedans il y avait plein de petits masking tape qui ont à peu près tous les mêmes tons, donc il y en a des plus fins et deux gros, et franchement ils sont vraiment super sympas. Ensuite j'ai commandé un tampon comme ceci, donc pareil, ça fait partie de leur nouveauté. Et par contre ils ne vendent pas l'encre qui va avec, donc heureusement que j'en ai chez moi. Mais si jamais vous voulez utiliser ce tampon, il faut que vous ayez préalablement de l'encre chez vous, donc ça se trouve partout. Je sais pas s'ils en vendent sur leur site, mais bref. Du coup franchement le tampon très sympa, donc il y a les petites roulettes et tout pour changer, et en fait vous avez plein de designs dessus, et bah c'est plutôt cool. Ensuite je me suis commandé mais tellement de post-it de toutes marques, plein de choses différentes. Donc premièrement j'ai pris des mini post-it comme ceci dans les tons beige et bleu, ils étaient vraiment trop mignons, et ouais c'est la taille plus petite, donc ça peut être vraiment sympa dans un journal ou dans un planeur. Ensuite je me suis pris des petits post-it couleur un peu orange, vert, format polaroid, très sympa. Ensuite j'ai repris mes post-it préférés qu'ils ont sur leur site avec du coup les petits carreaux. Donc le premier que vous pouvez voir, c'est pas en format stickers du coup, il faut que vous l'accrochez avec du scotch ou quoi. Et ça par contre c'est des stickers, donc ça se colle derrière. Ensuite j'ai voulu tester ça, donc en fait c'est une petite pochette que vous avez et dedans il y a les post-it. Donc eux pareil ils collent, et en fait t'as juste à tirer de son emballage et t'as des petits post-it comme ça qui sortent. Donc du coup j'en ai pris 2, voilà leur packaging était trop mignon. Et je sais pas combien il y a de feuilles dedans, mais bref, c'est des feuilles blanches et c'est vraiment super sympa. Puis ensuite, ce petit kit de la marque Post-it pour vous permettre d'enlever vos petits post-it comme ça. Bref, c'est un petit délire et tout, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai pris la couleur bleue et rose. Une petite ventouse derrière, comme ça, ça s'accroche à votre bureau. Et après, du coup, tu enlèves tes petits post-it comme ça, hyper facilement. Puis j'ai pris des petits stickers comme ceci, format carré, tout ça. Donc ça c'est plus pour décorer tout ce qui est bullet journal et tout, ça peut être vraiment sympa. Donc sur une plaquette vous avez 4 planches d'autocollants, moi j'ai pris dans les tons jaune et vert, et j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Vous avez plein de formes différentes, des ronds, des carrés, des rectangles, dans les tons du coup ouais un peu beige, jaune, et pareil pour les verts. C'est vraiment super sympa et tu peux écrire dessus parce que c'est mat, donc ça peut être vraiment cool vraiment dans mon petit journal. Puis j'ai pris eux, trop mignons, avec des petites têtes et tout, genre j'ai trouvé trop chou. Et ces stickers de la marque Sue Atelier, je sais pas comment ça se dit, et regardez comment les designs, ils sont trop beaux. J'ai vraiment craqué dessus, donc du coup je les ai pris. Ensuite j'ai pris ce genre de pochette, alors ça c'est vraiment tout nouveau sur leur site, en gros c'est une petite pochette en petit format, mais en fait quand tu l'ouvres, tu as des feuilles transparentes comme ceci, pour placer toutes tes feuilles. Donc moi je pense que je vais mettre des feuilles Bristol, mais tu peux mettre du coup une feuille A4, et par contre elle se plie en deux quand tu refermes ton mini classeur, mais ça c'est cool parce que c'est pratique dans le sac, ça prend vraiment pas de place, donc ça peut être vraiment sympa si vous révisez vos fiches Bristol, au lieu de prendre vos gros classeurs, vous prenez juste ce petit truc et vous mettez vos fiches dedans, les fiches que vous devez réviser pour la semaine ou quoi. Puis pour terminer j'ai pris ce sac tote bag, alors ils ont plein de trousses et de sacs sur leur site également, moi je l'ai pris en couleur marron mais j'ai déjà le noir, blanc, et j'ai acheté le jaune pour ma soeur, ils sont vraiment trop bien, tu peux mettre tous tes classeurs, trieurs et tout dedans. Puis pour terminer ils m'ont envoyé plein de petits cadeaux en plus, c'est vraiment trop mignon déjà qu'ils m'offrent tout ça, ils m'offrent encore plus de choses, donc on a des petites gommes, des petits badges, des petits trucs par-ci par-là, c'est vraiment trop mignon, et ils m'ont encore offert plein d'autocollants, donc pareil à ma dernière commande ils m'en avaient offert plein, et là il y en a encore plein, des planches entières et tout avec plein de thèmes différents, donc c'est vraiment des amours, genre je les remercie du fond du cœur. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo, je remercie encore une fois Stationery Paul. Donc comme d'habitude vous avez un code promo de -10% avec le code que je vous affiche à l'écran, et je le mettrai aussi en barre d'infos. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur leur site, je mettrai le lien du site ainsi que le lien de chaque article dans la description. Et c'est pas fini, avec Stationery Paul on vous organise un concours, donc pareil il va se faire sur Instagram comme d'habitude. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il sera posté, qu'il sera en ligne, mais n'hésitez pas à aller voir du coup sur mon Insta pour voir s'il est ou pas déjà posté.
tester. Vous pouvez gagner le lot qu'il y a à l'écran juste ici. Donc c'est un petit kit de stylo qui est dans les environs de 15$. Le concours durera à peu près 7 jours et je contacterai le ou la gagnante sur Insta pour lui envoyer du coup le colis. Donc pour ce qui est de l'expédition, vous me demandez très souvent en DM Insta, oui j'ai commandé il y a 2 semaines, j'ai toujours pas reçu, ça vient de Hong Kong, c'est normal que du coup ça mette quand même du temps à arriver. Moi habituellement ça arrive en 1 ou 2 semaines parce que du coup c'est pour le partenariat, ils font tout pour que ça aille le plus vite possible, mais ça met à peu près 2 à 3 semaines pour arriver. Et pareil du coup pour le gagnant du concours, il recevra du coup son petit lot de à 3 semaines après. Voilà tout le monde, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et du coup à me suivre sur les réseaux sociaux et Insta du coup pour le concours. Bref, du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.